Compte rendu de la 14e réunion du Conseil de ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 6 août 2021 la 14e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un projet de texte. 1. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. De la nécessité de faire du franc congolais une monnaie forte et stable. Le président de la République a pris une réflexion profonde pour faire de la monnaie nationale une monnaie forte, stable et compétitive dans l'objectif d'agir pour l'amélioration des recettes collectées par les régies financières. Il a encouragé le gouvernement à concrétiser son engagement de mettre en œuvre de politiques macroéconomiques crédibles et d'accélérer les réformes structurelles devant, à terme, concourir au renforcement de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale en vue d'améliorer significativement le pouvoir d'achat du citoyen congolais. Le renforcement de cette stabilité pourrait aussi trouver écho à l'accélération du processus de dédollarisation par l'application stricte d'une série de mesures visant à utiliser le franc congolais comme unité de compte pour toutes les transactions sur le territoire national. Le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo devraient, dans cette optique, consolider les efforts pour faire de la monnaie nationale une monnaie stable et forte. Du point de vue de la communication du président de la République, fiscaux à octroyer aux concessionnaires des services publics des télécommunications. En vue de lever un obstacle majeur dans la réalisation de la vision de faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que cette question est inscrite dans le programme du gouvernement sous les piliers 9. Portant sur la promotion et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela passe notamment par l'octroi des facilités aux acteurs économiques intervenant dans la construction des infrastructures en vue d'accélérer le déploiement intégral de la fibre optique à travers le pays. Le président de la République a recommandé au ministre de Poste, Téléphone, télécommunications et nouvelles technologies, et c'est lui des finances, à analyser le travail réalisé par son cabinet afin de soumettre pour adopter au prochain conseil de ministre un projet d'arrêté interministériel. 3. De l'appropriation de l'état de siège. Loin de ne concerner que le ministère de la Défense, de l'Intérieur ou celui des droits humains, l'instauration de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu est l'affaire du gouvernement dans son ensemble. À cet égard, le président de la République, chef de l'État, a invité les membres du gouvernement dans leurs prérogatives et attributions respectives à œuvrer en vue d'une convergence d'efforts et d'actions au sein du gouvernement. Dans les buts de rapidement possible, les objectifs fixés lors de l'instauration de l'état de siège. La nature des défis à relever nécessite une synergie d'action du gouvernement, tant sur le plan sécuritaire, économique que social. La stratégie du gouvernement face à cette crise multiforme fait de la partie est du pays une priorité pour la réalisation de ses objectifs les plus immédiats.
contenu dans son programme gouvernemental. Entre autres, la concrétisation effective de la gratuité de l'enseignement primaire dans cette partie du pays, la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, la fin de l'exploitation illégale et criminelle de minerais et autres. Le président de la République a recommandé à chaque ministre de présenter, chacun dans son secteur, sa feuille de route précise sur les objectifs concrets en rapport avec la situation dans l'est du pays. Il faut une véritable cohésion nationale autour du siège. Point 4 de la communication de Son Excellence Monsieur le Président de la République, portant sur le respect de droits humains. La République démocratique du Congo consent beaucoup d'efforts pour pacifier le pays, avec notamment l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et forcément le côté de l'État avec la lutte contre la corruption. Le président de la République a invité les membres du gouvernement à être très attentifs aux différents rapports publiés par des organisations non gouvernementales œuvrant dans les secteurs des droits humains. Il a appelé au renforcement du partenariat entre, d'une part, le ministère des droits humains et le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, les organisations non gouvernementales locales et internationales actives pour la défense des droits de l'homme, à travers le ministère sectoriel impliqué, en vue de mettre en relief le paramètre spécifique et récurrent aux violations qui sous-tendent leur rapport. Ceci pourra allier l'action du gouvernement dans ses efforts pour promouvoir les respects des droits de l'homme en République démocratique du Congo et en garantir le respect en tout temps et en tout lieu. Le président de la République a également indiqué que les gouverneurs militaires sont tenus de fournir un rapport chiffré et détaillé de la situation des droits de l'homme dans leurs juridictions respectives. Les encouragements pour la baisse de prix. Le président de la République a encouragé les ministres ayant dans leurs attributions l'économie nationale, les transports en voie de communication et les hydrocarbures à avancer dans leur démarche visant à obtenir la baisse de prix de services et denrées de première nécessité. Il a demandé au premier ministre chef du gouvernement de les accompagner davantage dans cet élan afin d'améliorer le vécu quotidien de la population. Car, a-t-il insisté, le renforcement du pouvoir du peuple passe également par la baisse de prix de biens et denrées de première nécessité. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information. Le vice-premier ministre de l'intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a passé à l'attention des membres du gouvernement les territoires nationaux, qui restent généralement calmes. L'état d'esprit de la population a été marqué par la poursuite des opérations militaires dans le cadre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Dans les grandes agglomérations, l'a informé, la police nationale poursuit les opérations de lutte contre toute forme de criminalité. Parmi les faits saillants qui ont marqué la semaine qui s'est achevée, le vice-premier ministre a évoqué notamment les réactions et commentaires consécutifs aux menaces proférées par des inconnus contre le cardinal Fridolin Ambongo, l'attente de la population des conclusions des concertations entre le gouvernement et les opérateurs économiques, membres de la Fédération d'entreprises du Congo, sur la décision ordonnant la baisse de prix de produits de grande consommation sur le marché. À son tour, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté une situation sécuritaire qui demeure relativement calme
et sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces dernières qui sont engagées particulièrement dans les deux provinces du Nord Kivu et où ils sont en opération dans le cadre des civils. Le ministère de la Défense a signalé que la pression s'intensifie sur le théâtre des opérations. Autant les redditions des miliciens aux forces loyalistes se multiplient. Le ministre de la Défense nationale a aussi informé du début de l'évaluation des opérations militaires liées à l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il s'est fait accompagner dans cet exercice par le chef d'état-major général de nos forces armées ainsi que quelques membres du haut commandement militaire. Devant les élus du peuple, il a présenté le déroulement des opérations et d'autres détails liés à la situation sécuritaire dans les provinces sous état de siège. Il a en outre fait les bilans de l'évolution récente des opérations sur terrain, marquées de plus en plus par des nouvelles redditions. Toujours sur ces chapitres de points d'information, prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'évolution de la situation de la pandémie à COVID-19. Par rapport à la semaine dernière, une baisse de 12,2% a été enregistrée, avec une diminution de 7,9% des cas importés et une constance du taux de létalité maintenu à 2,1%. Cependant, il a été observé une augmentation des cas dans les provinces du Nord Kivu, dans le Haut-Katanga, le Sud Kivu et le Lualaba. Face à cette situation, le gouvernement réitère son message d'appel au respect strict des mesures de riposte à la COVID-19 édictées par le président de la République, chef de l'État. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rassuré les conseils de la poursuite des opérations sur 344 sites opérationnels à ce jour. Il a indiqué que 81 910 personnes ont été vaccinées, parmi lesquels 4260 ayant reçu leur deuxième dose. Ceci qui augure une bonne perspective d'amélioration et de l'acceptation future du vaccin par la population. Le processus de calendrier diversifié des vaccins de la République du normalement, la interviendra, comme annoncé il y a quelques jours, dès la première quinzaine du mois d'août. Dans un autre chapitre, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a informé le gouvernement de la levée de la grève de médecins des hôpitaux publics après la signature ce mardi 3 août du protocole d'accord sanctionnant les négociations entre le gouvernement de la République et les banques syndicales de médecins. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évolution de la situation récente sur le marché de change ainsi que de d'après la gouverneure de la Banque centrale du Congo, le franc congolais est resté stable, tant à l'indicatif que sur le marché parallèle, durant le mois de juillet 2021. Comparativement au 31 décembre 2020, la monnaie nationale n'a perdu que 1,15% de sa valeur face au dollar américain au 30 juillet 2021. Alors la période pendant de 2020, il s'était déprécié de 15,38% au cumul annuel. La formation des prix intérieurs est globalement sous contrôle. À fin juillet, le taux mensuel d'inflation s'est situé à 0,42% contre un taux de 2,95% en juillet 2020. Ce qui signifie que les prix de biens et services sur les marchés sont restés relativement stables. En ce qui concerne les réserves de change, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a indiqué qu'elles ont atteint au 30 juillet 2021 le niveau de 1 792 milliards de dollars américains contre 1,55 milliards de dollars américains au 20 juillet 2021, ce qui correspond à 7,36 semaines d'importation de biens
sur ressources propres. Évoquons les facteurs explicatifs de la stabilité observée au plan interne. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a épinglé la maîtrise de liquidité bancaire au travers d'une régulation monétaire prudente, les respects des engagements pris dans le cadre du pacte de stabilité entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, l'amélioration de l'effort des devises sur le marché d'échange, attesté notamment par la hausse du niveau de réserve et la hausse de réserve internationale servie depuis le 20 juillet grâce aux opérations de rachat de devises sur le marché. En vue de pérenniser la stabilité interne et externe du franc congolais, le gouvernement de la République et la Banque centrale du Congo ont réitéré leur engagement mutuel à poursuivre la mise en œuvre de politiques prudentes. Au point 5 de ce chapitre relatif au point d'information, la mission de participation de la République démocratique du Congo aux réunions du G20 et aux travaux préparatoires de la COP26. La vice-première ministre, le ministre de l'Environnement et des a présenté au Conseil le condensé d'informations résumant la participation de la République démocratique du Congo aux assises du G20 à Naples en Italie et aux travaux préparatoires de la COP26 à Londres en Grande-Bretagne du 22 au 29 juillet 2021. Aux discussions du G20 à Naples, les nations représentées dans notre pays, la République démocratique du Congo, ont pris l'engagement de contribuer, conformément aux mandats environnementaux, à l'élaboration de programmes permettant aux politiques financières de mieux comprendre, évaluer et gérer les questions environnementales. L'objectif étant d'intégrer de la manière la plus large possible les questions du changement climatique, de la biodiversité, et de favoriser l'innovation des systèmes dans la finance climatique. Aux réunions ministérielles de Londres, la vice-première ministre a fait le plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo pour que son statut de puissance climatique et de solution au problème du changement climatique soit reconnu. Elle a insisté sur une compensation plus équitable qui devra être allouée à la RDC pour ses crédits lui permettre de se positionner plus efficacement sur la protection des ressources forestières et du développement socio-économique national. Pour le gouvernement, cette compensation est un droit. Dans les réunions bilatérales, avec notamment les États-Unis d'Amérique, la présidence de la COP26 et la Grande-Bretagne, la première ministre a la position stratégique de la République démocratique du Congo, laquelle devra dorénavant être reconnue avec des retombées en termes de leadership climatique et environnemental. Ces réunions sollicitées par la RDC ont été élargies à d'autres pays du bassin du Congo, dont le Gabon. Chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 13e réunion du Conseil de ministres tenue le 30 juillet 2021. Au chapitre 4 du Conseil de ministres de ce jour, examen et adoption dossier. De l'état de lieu du secteur agricole et mesures d'urgence. Le ministre de la également soumis aux membres du gouvernement de la République des lieux de quelques projets agricoles et mesures d'urgence idoines préconisées. Partant du projet de Bukangalonzo qui nécessite des moyens financiers conséquents pour parachever la récolte du maïs, à la transformation du maïs en semoule et la préparation de la saison A 2021 qui débute déjà. En passant par le programme volontariste agricole, PVA, la plateforme agro-industrielle de Lukula, PAL, et Triomphe, la situation
Comme solution immédiate, le ministre de l'Agriculture a sollicité du gouvernement les décaissements de fonds du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19 approuvé par le Conseil des ministres en juin 2020 et dont le solde développé d'un montant équivalent au fonds de 39,8 millions de dollars américains. Culturaux de la saison A 2020 sur le site de Bukanga dans les sites suisses indiqués et les nouveaux sites identifiés. Le président de la République, chef de l'État, a recommandé au ministre de l'Agriculture de travailler étroitement avec son collègue des Finances pour le traitement des questions liées au financement de ces différents projets. Le ministre de l'Agriculture a aussi fait état des discussions entre l'Office national de produits agricoles du Congo, ONAPAC, et la Fédération des entreprises du Congo au sujet du paiement des redevances dues à cet office. Le ministère de l'Agriculture reste disposé à organiser des séances de travail avec toutes les parties intéressées pour trouver une solution holistique et durable. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a approuvé ces dossiers. Toujours dans ce cadre, le ministre de l'Agriculture a présenté un deuxième dossier au Conseil des ministres. Celui-ci portait sur le projet d'organisation du Forum national sur les états généraux de l'agriculture, placé sous le thème l'agriculture, clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Ces assises, placées sous le haut patronat du président de la République, pour qui l'agriculture est appelée à prendre sa revanche sur le sous-sol, visent notamment à faire un état des lieux exhaustif du secteur agricole. Elles réuniront dans les prochains jours toutes les parties prenantes dans les buts d'identifier et d'analyser les différentes contraintes qui bloquent la production, la transformation, la certification biologique équitable, la recherche agronomique et la commercialisation de produits agricoles afin d'en formuler les recommandations idoines et ou de pistes des solutions pragmatiques. Ce forum aura pour objectif, entre autres, d'assurer l'exposition et la promotion des produits locaux bio qualité pour stimuler la population à consommer les produits made in RDC, d'encourager les producteurs et les transformateurs locaux, d'inciter le gouvernement à mettre en œuvre des stratégies de développement visant à relancer et développer les filières agricoles d'exportation, faciliter l'accès aux appuis techniques et financiers en vue d'assurer le marketing, la promotion et la certification biologique et équitable de produits agricoles. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil des ministres. Chapitre 5 et dernier point inscrit à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce jour. Avant de clore cette réunion du Conseil des ministres, le président de la République a ouvert un débat sur l'évaluation des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège, dont la cinquième prorogation pour une période de 15 jours a été autorisée les quatre derniers par le Parlement. Au terme d'un échange fourni et à poursuivre, l'option dégagée va dans le sens d'envisager une sixième prorogation de l'état de siège afin de permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de poursuivre leurs opérations dans les deux provinces sous état de siège. Commencée à 11h07, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h33. Merci.